Le 71e festival de Cannes a débuté avec GL Amour Pénélope Cruz et Ravière Bardem ont arpenté le tapis rouge main dans la main pour présenter le film d'ouverture d'Asgard Faradi, Everybody Knows. Une cérémonie d'ouverture pleine d'amour et de glamour Pénélope Cruz et Ravière Bardem ont lancé le 71e festival. De Cannes en arpentant le tapis rouge main dans la main. L'actrice espagnole, dans une robe en dentelle noire, a posé tout sourire au bras de l'acteur espagnol en smoking bleu marine avant d'embrasser son mari devant les photographes. Le couple est venu montrer Everybody Knows, Todos los saben du réalisateur iranien Asghar Farhadi, un film en compétition pour la Palme d'Or, son réalisateur a déjà remporté le prix du scénario en 2016 pour Forouchanhd l'an Peach, à l'occasion du mariage de sa sœur, Laura, jouée par Penelope Cruz, revient avec ses enfants, mais sans son mari, dans son village natal. Au cœur d'un vignoble espagnol. Elle y retrouve son ancien amant, Paco, Ravier Bardem, pour cette réunion de famille qui dérape, c'est la sixième fois que Penelope Cruz et Ravier Bardem jouent ensemble. La première fois c'était en 1992, dans Jamo Accent Guen »,« Jamo Accent et Guen », mais ce n'est qu'en 2008, sur le tournage de Vicky Christine à Barcelona, qu'il tombe amoureux, à lire aussi, cinq choses que vous ne saviez pas sur Pénélope Cruz couple à la ville et à l'écran depuis. Leur mariage en 2010, Pénélope Cruz et Ravier Bardem ont rejoué ensemble dans Cartel 2013, puis dans Escobar 2017, à propos duquel Ravier Bardem confiait. À Paris Match, c'est la première fois que nous jouons un couple. Nous avons décidé qu'il y avait une ligne à ne pas dépasser et qu'une fois le tournage terminé, on en parlerait plus. Après une scène difficile, Pénélope ne m'a pas adressé la parole pendant deux jours. Je l'ai. Mal vécu, Ravière exagère, a répondu Penelope Cruz dans une interview accordée à Paris Match. Nous nous sommes reparlés quelques heures plus tard alors qu'il jouait de nouveau des amendants Everybody Knows d'Asgar Faradi. Ils se sont donc imposés des règles. Je crois qu'il ne faut surtout pas que nous ramenions nos personnages à la maison le soir. C'est ce que nous avons essayé de faire aussi sur Everybody Knows, explique l'actrice. Toute reproduction interdite.